Moi, je veux juste la fibre, j'ai rien à foutre. Oh, il a Ah, joué. ça va aller trop vite. Je vais pouvoir regarder du caca. Hein? Du Du caca. caca? Pourquoi il faut regarder du caca? Du 4K. Ah, ouais. Non, bah, Faut regarder moi, du caca. Une voix de con, ça me tue, c'est incroyable. Genre, t'as l'impression qu'il lui manque tellement de neurones. Et maintenant, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Opera GX, le nouveau navigateur d'Opera pour les gamers. Il est généralement connu pour son limitateur de performance, mais je veux aussi vous présenter 2-3 points qui font que ce navigateur est pas si mal. Tu as tes réseaux qui sont directement intégrés dans la barre latérale, ce qui te permet d'avoir directement accès à Twitter, Instagram, même Twitch, où tu peux voir directement qui est en live, mais aussi Discord qui est intégré directement. T'as même un accès à ton Spotify qui te permet justement d'écouter ta musique sans avoir d'application ouverte à côté. Et tu peux même, pendant que tu joues ou que sais-je, pop out une vidéo et la mettre juste devant l'écran que tu utilises pour pouvoir regarder ta vidéo pendant que tu fais autre chose en même temps, et je trouve ça très cool. Les customisations sont très très agréables aux yeux, que ce soit en dark mode comme en light mode. Et en parlant du dark mode, sachez que vous pouvez même le forcer sur des pages internet sur lesquelles il n'y est pas du tout. Ce qui fait que vous sauvez littéralement vos yeux, et ça c'est vraiment cool. Donc je remercie bien évidemment Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo, le lien sera évidemment en description. Sachez même qu'il est disponible sur mobile. Et en ce qui concerne la vidéo, je vous souhaite un très bon visionnage, les délires sont très très particuliers cette fois-ci. Donc profitez un max, ciao bisous. Mais je suis choqué là de mon réflexe, genre j'ai mis un coup de souris et c'est parti, genre pile là où je voulais que ça parte. C'est quoi ta souris? Mec, je sais pas, c'est une souris. Mais attends, mec, ça là, je pas quand. Bah toi tu parles, tu joues au trackpad frère. Mais n'importe quoi frère, qu'est-ce que tu racontes? Ah vraiment, je jure que des fois on dirait que tu joues au trackpad. Hein. N'importe quoi, c'est pas un trackpad. C'est pas un trackpad, c'est juste que c'est... Ça va être tracker. Tu sais, il joue avec le volant Mario Kart. Mais... Regarde Strange sur le level incroyable. C'est que j'ai pas envie de regarder. Ah oui, la latence. Dernier joueur. Oh, le pire ulti, il a jeté toutes ses flèches. Ah. Si. Le temps de réaction. Et t'as le jet qui t'insulte derrière. Mais attends, mais frérot, mais mec, t'as du ping IRL aussi ou quoi? Il avait 5 secondes pour réagir. Incroyable. Le mec il a fait sur l'écran, il a fait. Pensez quoi qu'il sort? Il a même pas touché à sa souris, genre vraiment, il est en train de se gratter les couilles. Non, ça t'étire en mode. Non, c'est mort, j'abandonne. Ouais, c'est bon, il est trop fort, ouais. Plus je le regarde, plus c'est drôle parce que tu bouges vraiment pas du tout. Genre le mec il est tétanisé, il s'est fait hypnotiser quoi. Le mec bah il tient sa ligne tu vois, mais vraiment genre il la tient. Il la lâche pas sa ligne. J'aime bien quand il essaie de se défendre avec ses 2 décibels de voix là. C'est incroyable. Il fait de l'inaudible ASMR. Bon. Mais t'as déjà essayé un truc avec un mec, papa? Je me suis juste branlé avec un pélo. Comment il dit ça, avec un pélo? En mode c'était un SDF qui l'a creusé. Avec un pélo. Il s'est branlé avec, après il l'a tabassé là. Il lui a volé son gobelet. Il a craché son gobelet, il est parti au chemin. L'instant bonheur. Je suis avec Daniel, c'est un SDF, on s'entend super bien. Mais sinon, non, j'ai rien fait d'autre. Mais il a kiffé ou pas? Mais je l'ai pas branlé, hein. On s'est juste branlé chacun de notre côté, genre. Ils ont bien classé entre les deux, tu sais, pas éviter de tricher. Je me rappelle, c'était sur la PS3 à l'époque, on regardait Pornhub et tout. On était chacun de notre côté du canapé, tu vois. Et genre, on est... Tous les deux à l'opposé du canapé, tu sais. Prends l'USP. USP, USP, non, USP, derrière toi, derrière toi. Non, non, ah, non, non. Nique ta mère, je pars trop vite, j'arrive pas à me retourner. Vas-y, gros porc, fais encore plus de bruit. Ouais, ouais, vas-y. Je suis là. Ouais, mais vas-y. Ah, il me fume. Ah, frère, le sol, il a pris sa part. Hein. Le sol, là, il a bouffé, frère. Il va celui, là. On mène confusé de ce fuck. Bon, allez, dis-lui qu'il a 6000 de ping dans le crâne. Je vais le laisser faire ses preuves. Là, il va faire la triple. Très bien. Allez. Oh ouais. Il était perdu. Les chansons avec le N-word sur Twitch, ça passe ou pas? Alors, en théorie, c'est censé passer. Bon, c'est une théorie, mais... Non, alors là, je suis pas d'accord avec toi. Mais... Si, 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 dans le règlement, il y a écrit que normalement, t'as le droit d'utiliser certains propos seulement et uniquement si c'est pour du contenu musical. T'as le droit d'être raciste si c'est de la musique, donc c'est ce que t'es en train de dire. Voilà, c'est ça. Le racisme est autorisé seulement si tu chantes en même temps.
Espèce de fils de pute de chinois. Non mais que... Imagine si l'ennemi lui avait pas tiré dessus, il aurait jamais vu. Et ils arrivent à prendre la ligne. Ça y est, ils ont fini là, ça fait 30 minutes frère. Ça fait plus de 30 minutes frérot. Ça va durer minimum 2 semaines. Hein. La réaction de Strange. Putain c'est fort. Non lui frère. Mais ça, il a la réaction de la game d'après, tu vois. Il vient seulement de voir, il a passé, là. Là, il vient de mourir. Il mérite pas ça, putain, c'est un bon gars, dans le fond. C'est bon, Strange, c'est un Fortnite, c'est un nouveau Battle Royale, non. C'est un accent anticipé. Ça te dit, on teste. Proche comme si c'était du jeu contre. Moi aussi, voilà. Top pont, est-ce que j'ai compris? Top pont, j'ai eu. Ace. Tu veux que je te suce? C'était où, genre? C'était tellement propre, en fait, tout ce que ça dit. Oh, merde. Pendant leur pause, ils essaient de rigoler un max pour être le plus sérieux possible devant les familles, en fait. T'imagines comment ça doit être hyper dur de te retenir. Genre, t'imagines, tu repenses à une vanne alors que t'es en train de porter le cercueil et tout. T'as tout le monde qui chiale devant toi et toi, t'es là en mode, putain, le prout, là, il était où? Vous pouvez être comme ça, croque-mort. Ah non, moi je ferais pas dans les situations stressantes. C'est croque-mort, comment ça s'appelle? Oui, si ça s'appelle croque-mort. On croque les doigts de pied des morts pour vérifier si. Oui, non, mais c'était ce qu'ils faisaient avant, mais c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Moi je pourrais. En même temps, t'aimes bien mettre des pieds dans ta bouche. Mort ou vivant, c'est le même tarif. T'as fait ce meilleur croc là. Le Yep, c'est un panini, mon ref. Lui, il va le sucer pendant 5 minutes. Et c'est bon, il est mort. Je vérifie, on sait jamais. Attends, il y a le goût au bout. C'est comme les chewing-gums, tant qu'il reste du goût, il le jette pas. Oh putain, en plus, imagine, c'est une meuf, genre 20 ans qui meurt comme ça. Oh putain, il va mettre son sexe entre ses doigts. Je peux la garder pendant une heure pour vérifier qu'elle est vraiment morte. Gros, tu vois, au niveau de son orteil, ça fait, tu vois, comme tes doigts à la piscine, là, tout frippé et tout. Exactement ça, tu vois, il a sucé. Il a l'orteil frippé. Je te jure que ça me ferait trop rire. T'es pas un poupou sucer des orteils de mort. C'est fou furieux, hein. Moi, je garde un échantillon, là, c'est jamais. Allez, celui-là, je le garde pour chez moi. C'est pas grave, de toute façon, on n'aura plus besoin. Je me branlerai avec. Ah non, ça c'est cool. Il a le cancer. On dirait un instrument de musique. Oh, Chewbacca qui a fait. Chewbacca qui fait du saxo, gros, ça donne ça. Pourquoi t'as acheté un synthé en fait? C'est un instrument. Ah, tu jures que là c'était une toute Pierre Ménez là. Oh, j'en ai pas. Elle t'es trop nul. Viens un peu que je t'encule. Elle a vraiment pas dit ça, hein. Ah. Pourquoi tu me lèches la bite? C'est pas ça? Pourquoi tu me lèches la bite? Merde!